pas. Elle était où? Dehors? Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On va jouer aujourd'hui sur Duplicate.club une partie détonnante. On est vendredi, c'est jour de partie détonnante. Je rappelle que chaque jour, toutes les parties proposées sont diffusées en trois versions, selon le temps de réflexion. Donc à 10h, la version en 2 minutes par coup, à 14h, la version en 3 minutes par coup, et à 20h, en 1 minute par coup, en blitz. Donc, le vendredi, c'est partie détonnante. Partie détonnante, c'est une partie en moins de 19 coups et qui rapporte plus de 1100 points. Voilà, ce sont des critères que j'ai déterminés comme ça, de façon un peu arbitraire, mais il fallait bien fixer des chiffres. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est une partie, à côté de ça, c'est une partie normale. Hein. C'est pas une partie joker, c'est pas une partie 7 sur 8. On tire cette lettre et puis les jokers viennent quand ils viennent. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle partie. Vous n'avez aucune lettre devant vous et vous prenez Italie I. Norvège N, Danemark D, Uruguay U, Maroc M, Égypte E et Algérie A. Vous jouez avec Italie, Norvège, Danemark, Uruguay, Maroc, Égypte et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Pour ce premier coup, le top est à 72 points. Faites attention à la place. Nous jouons horizontalement en H4. Minode. M-I-N-A. Le U sur la case centrale. D-E. Minode. H4. Ça fait 72 points. Aucune lettre au reliquat après ce premier Scrabble. Voici Tunisie T, Océanie O, Italie I, Norvège N, Roumanie R, Égypte E, et Luxembourg L. Vous jouez avec Tunisie, Océanie, Italie, Norvège, Roumanie, Égypte et Luxembourg. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 88 points. Vous ferez très attention à la solution retenue verticalement en 11 E de façon à mettre un R au bout de minaudé. Nous descendons Lieron. L-I-E-R qui fait minaudé E-R. O-N-T. Lieron 11 E. Ça fait 88 points. De nouveau, aucune lettre au reliquat, puisqu'on a, on a scrablé. Voici Océanie O deux fois. Égypte E. Roumanie R. Danemark D. Hongrie H. Algérie A. Vous jouez avec Océanie deux fois, Égypte, Roumanie, Danemark, Hongrie et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 74 points. Horizontalement en K5, en appui sur le T de Lieron, nous posons Horodaté. H-O-R-O-D-A. Le T de Lieron. Et E. Horodaté K5 74. Aucune lettre au reliquat de nouveau. On va prendre cette nouvelle lettre qui sont Portugal P, Yougoslavie Y, Égypte E, Norvège N, Roumanie R, Égypte E deuxième et Algérie A. Vous jouez avec Portugal, Yougoslavie, Égypte deux fois, Norvège, Roumanie et Algérie. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 121 points. Faites très attention à la place verticalement en 13G, de façon à mettre un E au bout de horodaté, pour faire horodaté et E. Nous descendons à Pyrène. A-P-Y-R. Le premier E de Apirène vient au bout de horodaté E pour faire horodaté et E. N-E. Apirène, cela a bien été joué en 13G pour 121 points. Aucune lettre au reliquat, voici Suisse S, Égypte E, Portugal P, France F, Canada C, Danemark D et Algérie A. Vous jouez avec Suisse, Égypte, Portugal, France, Canada, Danemark et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 49 points, horizontalement en N10, de façon à mettre un S au bout de Apirène. Nous posons Pax, P-A-C-S-E. Le S met Apirène au pluriel et n'oubliez pas le E final. Pax, P-A-C-S-E en N10. Ça fait 49 points. Deux lettres au reliquat, Danemark et France, auxquelles vous adjoignez Norvège N, Uruguay U, Tunisie T, Égypte E et Algérie A. Vous jouez avec Danemark, France, Norvège, Uruguay, Tunisie, Égypte et Algérie. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 84 points. Faites très attention à la place. Nous jouons horizontalement en I3. En collante sous minaudé. D finta. D E F U N T A. Verticalement, on forme me, if, nu, en, ut et da, avec les 6 premières lettres de minaudé. Définta, I3. Ça fait 84 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Et on prend Grèce G, Roumanie R, Égypte E, Uruguay U, Kenya K, Kenya, Suisse S et Algérie. Vous jouez avec Grèce, Roumanie, Égypte, Uruguay, Kenya, Suisse et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 82 points. Verticalement en 15K pour mettre un S au bout de Pax, nous posons Oukaz. U-K-A-S-E. Le S vient au bout de Paxé. Oukaz en 15K, ça fait 82 points. Un reliquat de deux lettres, Grèce et Roumanie. On ajoute Océanie O, Italie I, Luxembourg L, Égypte E et Algérie A. Vous jouez avec Grèce, Roumanie, Océanie, Italie, Luxembourg, Égypte et Algérie. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 81 points. Horizontalement en O4, pour terminer sous le P de Pax, nous posons Logeret. L-O-G-E-R-A-I. Le I forme Pi, P-I, avec le P de Pax. Logeret au 4, 81 points. Voilà, j'ai une petite parenthèse de 15 secondes pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et puis d'inviter vos potes. Alors, après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat. Voici Égypte E. Uruguay U. Égypte E deuxième. Océanie O. Canada C. Luxembourg L. Et Belgique B. Vous jouez avec Égypte deux fois, Uruguay, Océanie, Canada, Luxembourg et Belgique. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 82 points. On fait très attention à la place horizontalement en D6. En D6 pour former Élieron, en plaçant un E devant Élieron, nous jouons boucler. B, O, U, C, L. Le premier E de boucler vient devant Lieron pour faire Élieron. Et le deuxième E. Boucler, c'est en D6, ça fait 82 points. J'ai oublié de l'afficher. Le voici. Bouclé donc en D6, B-O-U-C-L-E-E, c'est le premier E qui transforme Lieron en Élieron. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble, voici Algérie A. Roumanie R. Uruguay U, Italie I, Luxembourg L, Belgique B et Égypte E.
vous jouez avec Algérie, Roumanie, Uruguay, Italie, Luxembourg, Belgique et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 85 points, horizontalement en L3, pour coller sous les 5 premières lettres de Horodaté, nous posons Bleuira. B-L-E-U-I-R-A. Verticalement, ça forme E-H-E. Ou Ri-Or-Eda avec les lettres de Horodaté. Bleuira. L3, ça fait 85. Aucune lettre au reliquat. On prend un tout nouveau tirage, à savoir Italie I deux fois, Tunisie T, Égypte E, Venezuela V, Norvège N et Suisse S. Vous jouez avec Italie deux fois, Tunisie, Égypte, Venezuela, Norvège et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 82 points. C'est marrant parce que ça fait 3 mots de 7 lettres qu'on joue en collante. D'abord sur 6 lettres, ensuite sur 5 lettres et là sur 4. Donc horizontalement en E3 pour 82 points en collant sous les 4 premières lettres de bouclé, nous posons investi. I-N-V-E-S-T-I. Au passage, ça forme B, os, ut et si avec les 4 premières lettres de bouclé. Investi E3, ça fait 82 points. De nouveau, aucune lettre
au reliquat. Et voici Océanie O. Tunisie T. Roumanie R. Uruguay U. Italie I. Xénophon X. Et Algérie A. Vous jouez avec Océanie, Tunisie, Roumanie, Uruguay, Italie, Xénophon et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 43 points. Horizontalement en D1 pour coller au-dessus des deux premières lettres de investi, nous posons taxi. T-A-X-I. Le X forme XI et le I forme IN avec le I et le N de investi. Taxi D1, 43 points. Un reliquat de trois lettres, Océanie, Roumanie et Uruguay. Je dois attendre 10 petites secondes parce que vous savez, il y a une minute réglementaire conventionnelle, on va dire, entre la fin d'un coup et l'annonce du tirage suivant. Voilà, on y est. Donc, il vous reste trois lettres, Océanie, Roumanie, Uruguay. Vous ajoutez Venezuela, V. Suisse S, Égypte E et Italie I. Vous jouez avec Océanie, Roumanie, Uruguay, Venezuela, Suisse, Égypte et Italie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 149 points. Faites attention à la solution choisie. Verticalement en 1A, en appui sur le T de taxi. Nous allons jouer virtuose. V, I, R, le T de taxi. U, O, S, E. Virtuose 1A, ça fait 149 points.
Aucune lettre au reliquat. Après ce Scrabble, voici Hongrie H, Égypte E. Votre premier joker, lettre blanche. Votre deuxième joker, lettre blanche. Norvège N. Zambie Z. Et Suisse S. Vous jouez avec Hongrie, Égypte, les deux jokers, Norvège, Zambie et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 102 points et ce sera le dernier coup de la partie. Et oui, on a beaucoup consommé de voyelles au début. Élioron, bleu, ira, logeré, des voyelles partout. Donc voilà, alors je disais 102 points verticalement en 14A. Les jokers seront respectivement un I d'Italie et un T de Tunisie. Pour terminer à droite du A de Apirène, nous descendons Zénith. Z, E, N, joker I d'Italie, joker T de Tunisie, H, S, le S formant As, AS avec le A de Apirène. Zénith 14A, ça fait 102 points. Et c'était le 14e et dernier coup de cette partie, donc partie en 14 coups, c'est très rare. Et le top cumulé est de 1194 points. Allez, on va tout de suite passer au décodage sans transition. Alors, au premier coup, on a joué minaude du verbe minauder. Participe passé invariable, faire des manières pour séduire. Alors, je vais laisser ce mot-là affiché puisque c'est le premier coup au niveau des définitions. Hein. Mais je vais les faire défiler ensuite après le passage en revue des isotopes et des sous-topes de chaque coup. Donc, voilà pour les deux premiers temps du décodage. Et le troisième temps du décodage, eh bien, chaque tirage, j'en énumère les potentialités en 7, 8. Parfois 9 lettres quand c'est intéressant. Voilà, donc là, on va passer juste en revue les sous-topes et isotopes de chaque coup. Donc, minaudé, minode, c'était Scrabble unique. Il n'y avait pas d'anagramme. Et le sous-top, c'était 20 points avec deux mains, des minas, des munis, médian, médina, mandia, numide, etc. Alors, le coup suivant, on a joué Lyron, on pouvait jouer Éliron également, et puis il y avait deux en 11D, il y avait deux 11D, 11H, Litorne et Rétinol à 74. Orodaté, Scrabble unique sur ce coup, sous top 29 points, avec Aro en 12G, et puis Hard et Horde en 12A, faisait 28.
à Pyrène, qui passe à plusieurs endroits, le maximum étant ici avec le Y qui double et le mot qui double. En décalant même colonne, on n'a plus cet effet du Y qui double, donc ça fait moins 105. Et puis à l'horizontale, pour faire Élyuron, on marque 100 points avec Apirène, hein, toujours. Le mot passe également en L1 pour coller sur 3 lettres à 97 et en 13E pour faire Orodaté et E, mais le mot ne double pas, donc ça fait pas beaucoup. Ça fait 92. Et puis encore là, vous voyez, il passe à plein d'endroits. Et autre Scrabble possible en E7 sur le L, Pyralène. Ça sent pas bon. Ensuite, Pax, Facé. Ça faisait 39 au même endroit. Donc là, la lettre semi-chère ne triple pas, donc ça fait un peu moins. Et puis face en D8 qui fait Élyuron, ça fait 36, de même que en L4 et fac au pluriel en N10. Alors là, on a joué Défunta, et puis il y avait les d'autres possibilités en conjuguant, en fait que le I, Défunté AI, Défunta passant également ici en 14A pour 78. Là, on a joué en collante magnifique de 6 lettres. Et puis sans scrabler, on marquait quand même 40 points avec Fadé qui faisait Paxé et E. Faune en O8 qui colle un peu. Et qui fait 38. Le coup suivant, Oukaz, 82. Okra avec le K qui double, le mot qui triple. 72, Kea, le K en pivot, 53, et Raku au pluriel, 48. Alors après la logerée, donc on l'a joué à l'horizontale en O4, le mot passé aussi à la verticale en 14B pour 76, ou 14A pour 72, et un autre 76 horizontal cette fois-ci en D8 pour faire Élyuron. Sans scrabler, on marque 27 points avec Gloria. Alors, bouclé 82 en D6, 72 en D5 et 70 en M4. À 32 points, on a Kobe ou Kubé en D8. Alors le magnifique bleu Ira qui passe au même endroit à une case de en décalant du. Non. Ça colle soit sous 3 lettres, soit sur 5 lettres. Voilà, vous les voyez à l'écran. Bleu Ira passait aussi en 14A pour faire AA à 74. En M4 pour faire Happy. Et sur le I de Élyuron, bleu Iré AI 64. Alors ici, invite, investi, donc c'est bien planqué quand même, une belle collante. 82, 14A toujours, la place des sous-tops à 76, invite ou investi, c'est pareil, en termes de score. Invite passe aussi en E1 pour 76 également. Alors ici, taxi, B1. Gagne 3 points sur XA avec le X qui triple, ici en J1. Sans le T, ça fait 39, mais c'est en haut. XA en D2, etc. XI à 37. Alors, dommage qu'on n'ait pas joué voiture sur taxi, hein, c'était plus rigolo. Je sais même pas pourquoi. Si, il y a encore un S, donc bon, c'était pas. Le choix de virtuose n'était pas indispensable à cet état d'avancement de la partie. Ortive faisait 30 points au pluriel, tout comme trouve et voiture au singulier. Et enfin, le dernier coup, bon, ça peut surprendre, hein, Zénith. En Scrabble avec deux jokers qui se suivent, c'est pas facile quand même malgré tout.
Et ça fait 102 points. À noter le magnifique sous-top qui est inseize, INSEIZE. Le Z qui double, qui triple, et le mot qui double, ça fait 68 points. C'est très joli. La définition va arriver tout à l'heure. Et ben même maintenant. Allez, les définitions, c'est pour maintenant. Donc, minauder, je l'ai dit. Faire des manières pour séduire, le participe passé est invariable, donc pas de minauder et e. Apyrène se dit d'un raisin sans pépin. La licorne, c'est une grive. Le rétinol, la vitamine A1. Haro, c'est faire haro sur quelque chose, c'est stopper. Harde, donc c'est soit le verbe attacher des chiens, soit le nom féminin. Oukase, avec ou sans eau, c'est un édit du tsar ou une décision arbitraire. Pyrène, hydrocarbure extrait du goudron de houille. Pyralène, un composé chimique servant à l'isolation des transformateurs électriques. Face ou facée, donc en héraldique, c'est le tiers central horizontal de l'écu. Défunté, mourir. Participe passé invariable. Okra, c'est une plante tropicale, le gombo. Le kea, perroquet originaire. Perroquet originaire de Nouvelle-Zélande. Raku, poterie cuite à basse température. Gloria, prière de louange ou café mêlé d'eau-de-vie. Kobe, qui s'écrit Kobea ou Kobe E-E ou Kobaea, est un arbuste grimpant à fleurs bleues. Hélier, soutirer du vin pour en ôter la lie. Ortive, un adjectif féminin, l'amplitude ortive, c'est l'arc de l'horizon entre la direction de l'est et celle d'une étoile à son lever. Et enfin, inseize, c'est l'impression dont la feuille est pliée en 16. C'est logique. Voilà, c'est fini pour les définitions. Maintenant, on va passer au tirage, aux potentialités des tirages. Alors, il y a 14 coups, donc ça devrait aller assez vite. Alors, le premier coup, eh ben, il n'y avait que minaude. Bon, comme ce n'est pas un verbe transitif, il n'y a pas de minaudé et e. On démunira. Et puis sinon, c'est RSZ, minaude RSZ. Alors, le tirage d'après. Ouh là, il y aura 4000 trucs là. Rien que tous les eurons. Enrôler, les eurons, les troncs, oriental, relation, rentoir là. Je ne vais pas vous faire la liste. Hein. Likeron sur un quai, sur un cas. Likeron. Tyrolien sur un Y. Et voilà, c'est bien. Coltiné sur un C. Alors ensuite, bon là je pense qu'il n'y a que horodaté. On va essayer avec le Joker en 9 lettres. Déshonora, ouh là 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 là, ça c'est beau. Déshonora. Alors, apyrène, repaye, payère, pyralène, prytanée. Voilà. Alors là, je pense pas qu'il y ait quelque chose, mais bon, on va regarder quand même. Et en 9 lettres, non, il n'y a rien. Là, oui, hein, on a Defunta déjà, et puis donc forcément le I, le S, le T. Non, mais si je prends pas le bon tirage, ça va pas le faire. Et ben, c'est assez tout, plus fraude. ENT. Alors, ce tirage-là, qui a l'air sympa, mais non, rien en 7, rien en 8, et en 9, Kourgan. Au pluriel. Je vais vous mettre Kourgan. Je
Mais pas toutes les définitions avec les tirages, parce que sinon, c'est un tumulus russe. Un tumulus russe. C'est dur à dire, hein? Tumulus russe. En archéologie. Qui n'est pas plus facile à dire. Le suivant, tirage. Beaucoup de choses avec notamment les terminaisons ERAI, ERA, logerait, obligera, agricole, rigolade, reloger, golferait, rigolage. Donc il y a rigolade et rigolage. Limogera, géraniole, régional, longeret. Est-ce que je vais jusqu'au bout? Allez, rigolera, algérois, gloseret, logeret, aïès. Gratiole, grelotter, ligotera, logeret, aïté, logeret, aï, virolage et voligera. Voilà. Ensuite, boucler, déboucle, encouble, boucler au pluriel. Là, c'est pareil, il y a plein de choses. Bleuira, biora le blaireau, bulbère, jubilera, libéraux, barulier. Ok. Ensuite, investi, invite, donc forcément les invités, eux, investi, IE, etc. Ouais, évitions, nivosité, vinosité. Et puis, vichnuit, unitive, en suivi. Il y a plusieurs trinômes, là, trois trinômes. Inverti, investir, vitrine. Alors là, j'ai rien vu, enfin, j'ai pensé à rien. Orbito sur un B. Aïe, 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 ça aurait fait mal. Notario rationaux, cortico-tropico, toroïdo, extorqué, extourné, ok, littoraux, littoraux par les cornes, hein? Faut prendre les littoraux par les cornes. Alors, ensuite, œuvré, voueré, bouvier, coursive, oliveur, violeur, voilure, ouvrime, souvenir, ouvrière et ouvrie, ouvrice, ouvrite, virtuose voiture, on les a vus, et vous, ivre. Et enfin, le dernier coup, on a eu zénith, et puis bon, je pense qu'il y a ouais, en sachet, chanté, ouh, je viens vous chanter, non, maxen. Avec un G ou avec un K, en sachet, chindé, chantier, ok, et ben on a joué Zénith, voilà. Et ben c'est fini, oh, c'était rapide, ouais, 14 coups forcément, ça va très vite. Ben, ça m'arrange, hein, parce que je suis un petit peu KO là. Là j'enregistre, il est 22h50. C'est dur, hein. Allez, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette partie et ce décodage, partie détonnante. Demain samedi, ce sera partie 7 sur 8 à vocabulaire courant. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, abonnez-vous, abonnez vos amis, enfin invitez vos amis à venir s'abonner. Faut qu'on soit du monde là, parce que un vrai club, ça va être cool. Allez, ciao, portez-vous bien. Bye bye.